Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer.
Wow! Grosse soirée en perspective. Ok, à Sébastien à 19h. La danse à Léa à 7h30. Avec tout ça, puis tout ce qui t'a préparé pour Noël, on n'aura jamais assez de temps. Chérie, faut que t'arrêtes de t'occuper des cadeaux, là. Faut y aller. C'est okay. Comme on n'y arrivera pas, là. OK, mais je voulais finir d'emballer ce cadeau-là. Écoute, j'aurai pas le temps. Il y a encore ton cadeau à acheter pour la compagnie, plus le cadeau d'échange de ma famille. Faut qu'on aille magasiner ça demain, plus les petits cadeaux qui vont aller dans les bonnes Noël, puis qu'il va falloir acheter encore parce que ça va aller aux poubelles. Ouf! Puis en plus, c'est nous qui recevons en fin de semaine. Hein? Tu réalises-tu qu'il y a encore toute l'épicerie à faire? Puis, on en a fait un peu, mais il manque plein de choses, là. Puis, la popote n'est pas finie. Ouf! Noël, c'est ce week-end, puis j'ai tellement hâte que ça soit fini, là. T'es pas tout seul, là. Moi, je suis vraiment au bout du rouleau. Oh, ben, les enfants, là, faut y aller. On va pas avoir le temps de finir nos choses plus tard. Ben, on n'a pas le choix, mon grand. Prends ton hockey, puis Léa, prends tes choses, on y va. C'est plat. T'embarques. Ben oui, j'y sais bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? C'est comme ça. Allez. Alors, tu fêtes Noël avec tes enfants le 24 et le 25 décembre? Ah bon? Tu vas chez tes grands-parents? Je comprends que tu viendras plus tard dans le temps des fêtes. OK. Bonne journée. Bon. J'ai appelé les enfants, et évidemment, tous les enfants sont occupés pendant les fêtes. Une chance qu'il y a la petite fête à la résidence. Mais bon. Chérie, je vais réserver les billets pour nous deux, pour les vacances dans le sud, pour Noël. Les enfants vont rester seuls à la maison. Ils sont capables. On va éviter la cohue de Noël. On a vraiment besoin de vacances. On fera pas de sapin cette année. Ça vaut pas la peine. Mmh. Parfait. Ben, je vais le dire aux jeunes. Les jeunes! On part dans le sud une semaine avec papa à Noël. Vous allez rester seuls à la maison. Nous, on va acheter billets pour nous deux. Mais vous inquiétez pas. Grand-maman viendra de temps à l'autre pour voir si tout va bien. Moi, Noël, c'est inviter mes amis, faire le party, puis aller dehors. Ah, man, en plus, là, yes! Sans les parents. Ouais, pour moi, Noël, c'est jouer à l'Xbox et regarder des films sur la télé. Je vois une étoile qui brille dans la nuit. Je la suis parce qu'un ange est venu m'annoncer une grande nouvelle. Une nouvelle qui va être une grande joie pour tout le peuple. Cette nuit, un enfant nous est né. Il est né pour nous sauver. J'ai décidé de me mettre tout de suite en route parce que je sens que ce que je vais découvrir cette nuit va changer ma vie et lui donner un nouveau sens. Thank you.
Frères et sœurs, ce soir, un grand signe nous est donné. C'est Jésus. Il a voulu naître chez nous et devenir lumière de notre monde. J'espère que vous apprendrez à le connaître tout au long de votre vie, à traverser des grands signes d'amitié qu'il nous a donnés et laissés. Il y a un signe important qui montre aux autres que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, le signe qui nous distingue des autres, le signe de la croix que nous avons offert avec confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la joie du Seigneur, née en cette nuit, soient toujours avec nous et avec votre esprit. Ce soir, le Seigneur se présente à nous comme un enfant qui demande à être aimé et accueilli. Faisons-lui une place dans notre cœur. Que le Dieu de toute bonté nous libère de nos fautes et péchés, et que son amour invincible nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la grandeur et la gloire de Dieu. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés d'ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. L'Évangile raconté selon saint Luc. Imaginez-vous qu'en ce temps-là, un puissant empereur régnait sur tout l'Empire romain. Son nom était César Auguste. Auguste décide donc d'organiser un recensement des populations. Il veut compter tous les habitants de son empire. Chaque personne est donc obligée de se rendre à l'endroit d'où leur famille est originaire. Ils doivent faire inscrire leur nom sur de grands rouleaux de parchemin. Quel est votre nom et de quelle région êtes-vous originaire? Cordelia, de la région de Bethléem. Moi, c'est Mathieu. Oui. C'est pour obéir à cette loi que Marie et Joseph quittent la ville de Nazareth, même si Marie est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher. Après avoir marché toute la journée, Marie et Joseph arrivent enfin à Bethléem. Lorsqu'ils arrivent, la ville est pleine de monde. Toutes les auberges sont remplies. À chaque endroit, on leur dit la même chose. Il n'y a plus de place ici. Le monsieur a pris place dans tout le village, puis nous, on est les seuls qui avons fait place, puis ma femme est enceinte. Ayez un petit peu pitié de nous, accordez-nous une place. Non, c'est non. Êtes-vous sûr, monsieur? Oui. Joseph est bien ennuyé et Marie est au bord des larmes. Elle demande à Joseph de lui trouver un endroit pour être à l'abri. Ils vont donc s'installer dans son étable. Et cette nuit-là, Marie donne naissance à son enfant. L'endroit où Marie et Joseph se sont mis à l'abri se trouvent des bergers.
Au champ, les bergers sont rassemblés. Tout est tranquille. Le ciel est rempli d'étoiles. Quand soudain, dans une grande lumière, le messager de Dieu s'approche d'eux et leur dit « Ne vous inquiétez pas, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Cette nuit, vous aurez un sauveur. Vous le trouverez couché et emmailloté dans une mangeoire. » Nous avons vu l'étoile et nous voulons adorer l'enfant. Puis, tout à coup, dans le ciel, des anges viennent retrouver le messager de Dieu afin de partager cette bonne nouvelle. Imaginez, Dieu vient partager notre vie. Plus rien ne sera comme avant. Les anges viennent nous dire « N'ayez pas peur, venez à la crèche accueillir Jésus comme un berger et faites-lui confiance. » Ensemble, chantons notre joie. Voilà l'histoire de la naissance de Jésus. À Noël, c'est l'arrivée de ce petit bébé que nous fêtons. Dieu nous offre le plus beau cadeau du monde, Jésus. Accueillir ce cadeau, ça veut dire accueillir Dieu qui se ferait proche de nous, accueillir sa présence d'amour. À l'arrivée d'un nouveau-né, dans la famille, les parents sont émus et bouleversés. Cela transforme leur vie. Accueillir Jésus de la crèche, ça nous transforme le cœur et ça nous invite à le faire connaître, à partager et à offrir de l'amour en cadeau autour de nous. Oui, avoir rencontré Jésus m'a complètement transformée. Je suis devenue une meilleure personne. C'est ce que j'espère à vous tous.
Nous aussi. Regardez, vous aussi, cette étoile qui brille dans la nuit. Elle vous conduira et vous amènera à connaître le vrai sens de la fête de Noël, qui est la naissance de Jésus, notre Sauveur. C'est lui, maintenant, notre guide à tous. Hey, avec ce récit-là qu'on vient de vivre, là, tu penses pas que ça devrait peut-être repasser nos priorités à bonne place? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. On pourrait offrir aux enfants du temps pour vivre des bons moments ensemble plutôt que tous les petits cadeaux là, qui vont aller aux poubelles. Ouais. Il semble que ça serait vraiment signifiant. Comme Jésus qui a été un cadeau à Noël. Vraiment. Quand il est né. Vraiment, vraiment. Mm. Hey, qu'est-ce que t'en penses si on demandait aux enfants d'aller visiter la résidence à côté, tu sais, des personnes âgées? Quelle bonne idée! On pourrait peut-être amener les chants, puis chanter des chants de Noël. Qu'est-ce qu'en pensaient les enfants si on allait visiter les personnes âgées, là, puis on faisait comme on a déjà fait il y a plein des années, là. On avait été faire un petit chœur, puis on avait chanté avec les personnes âgées, là, à leur résidence. Ça vous tente-tu? Oui! OK, venez-vous-en, on y va. Allez, on y va! On y va, ça va être bon. Je pense que je vais aller voir mes amis à la résidence. On va fêter Noël au restaurant, au lieu d'être toute seule. Mes amis vont être contentes. Allô? Joyeux Noël! Quoi? Vous avez décidé de fêter Noël avec moi à la résidence? Qui va venir? Toute la famille? C'est donc bien gentil. OK. À demain. Ah, ça m'a vraiment bouleversée, cette histoire de Jésus. Mm. J'avais vraiment oublié ce qu'est le sens de Noël. Ouais, nous autres aussi. Mm. Je crois qu'on devrait annuler notre vacances de Noël. Mm. Et faire le sapin ce soir et se faire un bon repas, comme le faisait ma mère. Qu'en penses-tu? Ah oui, je suis d'accord. On va revivre la vraie signification de Noël. La joie d'être ensemble, le plaisir de donner aux autres. Ouais, puis tout ça me donne une idée. Je vais faire le ménage de ma chambre, puis je vais prendre tous les jeux vidéo que je n'utilise plus, puis je la donnerai à la friperie qui est juste en face. Ouais, ben, moi, j'ai une idée aussi. Elle est bonne, mais moi aussi. Donc, mon idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, donc je vais passer faire un tour et faire une activité avec lui. Très bien, les enfants. Accueillir la naissance de Jésus dans notre vie change notre cœur et peut donner un nouveau sens à Noël. Voici l'invitation que Jésus nous fait en ce temps de Noël. Accueillons-le dans notre cœur et trouvons comment nous pouvons nous laisser transformer par son amour. Frères et sœurs, maintenant, levons-nous pour dire à Dieu que nous croyons en lui, que nous avons confiance en lui. Après chaque question, je vous invite à répondre à une voix forte, « Oui, je crois ». Frères et sœurs, croyez-vous et avez-vous confiance en Dieu le Père, qui nous donne et nous a donné la vie, qui nous aime et qui veut notre bonheur? Oui, je crois. Croyez-vous
avez-vous confiance en Jésus le Christ, son Fils unique, qui est venu habiter notre terre et qui a donné sa vie pour que le rêve du Père se réalise, celui de rassembler dans l'amour tous les gens de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous, avez-vous confiance en l'Esprit Saint qui habite notre cœur et qui nous donne le goût, le courage de travailler à bâtir un monde nouveau, plus fidèle à l'enseignement de Dieu? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en cette nuit de joie pour toute la terre, invoquons d'un même cœur l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Après chaque intention, je vous invite à répondre d'une voix forte, « Seigneur, béni soit ton nom ». À l'occasion de Noël, bien des gens consacrent du temps aux autres. Puissent-ils apporter à leurs semblables tendresse et respect, en même temps qu'une aide efficace. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. En cette fin d'année, beaucoup de personnes ont d'importantes décisions à prendre. Puissent-elles le faire dans la lumière de vie qui apporte le Christ en notre monde. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Beaucoup de gens ont perdu confiance en la vie et voient l'avenir d'un œil sombre. Que notre témoignage au nom de Jésus-Christ leur apporte un peu d'espérance. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Des hommes et des femmes partout sur la planète cherchent à apporter paix et justice dans leur milieu. Que le Seigneur les soutienne dans leurs engagements. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Des membres de notre communauté accueillent en ce moment des visiteurs à l'occasion des fêtes. Que la joie de la nativité soit au cœur de leur rencontre. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Père du ciel et de la terre, tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus le Christ, pour que nous nous rapprochions de toi. Réalise aujourd'hui, en cette nuit, ton plan de salut sur le monde. Viens en nos cœurs et envahis nos esprits, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à imiter ceux qui ont pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit des vignes et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que ce sacrifice à ce jour trouve toute grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et, dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous, avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce, tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes et les anges. Nous te louons en chantant d'une seule voix. Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes et les femmes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les êtres humains qui se détournaient de toi et n'arrivaient pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer. Et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a lui-même fait la veille de sa passion. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain. Béni et le remplit en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
donne ce repas. Le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous la joie de son prochain retour. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec toi, toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Béni sois-tu. Gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond, à Monseigneur Pierre, à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, chantons la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Heureux, heureux sommes-nous d'être choisis pour partager le pain de la vraie vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Frères et sœurs, joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il nous sauve de l'aveuglement, du péché, et qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en nos cœurs cette même joie et nous prennent messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous tienne en sa bienveillance, qu'il nous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, à votre retour à la maison, soyez dans l'allégresse pour partager votre joie, votre bonheur que le Sauveur nous a donné dans l'enfant de la crèche, qu'il vous couvre de ses bénédictions et vous protège tout au long de votre vie. À chacun et chacune de vous, je vous souhaite un très joyeux Noël, bonne fin de soirée et bonne et heureuse sainte nuit où l'enfant Jésus nous a donné. Joyeux!